jour. Attends, je me lève pour faire la bise tellement je suis heureux. La bise, vas-y. Ah ouais, ça va. Je suis heureux, voilà. Non, Romain Frissinet n'a pas grossi, je suis Redon Mbiraba. Je suis humoriste, comédien, stand-upper, parieur sportif. Ouais. Ben ouais, c'est la styliste, ben tu vas mettre une chemise, tu vas être dans le décor. On dirait le manager de Footlocker. Tu choisis du combien ? Du 43, je vais te mettre une semelle, une bombe et des lacets, c'est pour moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mouloud, il m'a dit, tu viens, c'est le pestac, c'est carte blanche, tu parles de ce que tu veux. Ça serait bien de parler un peu d'actualité, parle un peu, je sais pas moi, de l'écologie, ours polaire, disparition des ours polaires. Mais je lui ai dit, je connais pas d'ours polaire. Je connais même pas un mec qui connaît un ours polaire. Le seul ours polaire que je connais, celui de Coca-Cola, et il a bu trop de sucre, c'est pour ça qu'il meurt. Moi, je dis la vérité, je veux parler de thèmes que je maîtrise. Je maîtrise le rap. Oxmo, j'ai écouté ta musique. Moi, j'ai grandi avec toi. On applaudit très fort, Oxmo. Oxmo Puccino, tu veux mon body, t'as trop menti, stop tes mythos. Plateau très lourd, Oxmo Puccino, Mouloud, Redouane. Oxmo Puccino, 115 kilos. Redouane, 101 kilos. Mouloud Achour, non communiqué. Tu sais, quand tu communiques pas sur le poids, c'est que c'est lourd. Moi, je le connais bien, c'est mon cousin. On a fait une radio du cœur. Il y avait un poulet aux olives, je vous jure. Vous voyez pas sous la table, il y a des tacos, du Nutella, des M&M. C'est un cacri. Non, je dis la vérité. Non, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il m'a dit, fais les rires. J'ai dit, si je les fais pas rire, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, si tu les fais pas rire, il y a une trappe qui va s'ouvrir. Toboggan, tu vas te retrouver sur une chaîne du câble à lire un livre. L'émission s'appelle Voyage au bout de la nuit. J'ai dit non. C'est une de mes émissions préférées. S'il vous plaît, rigolez à mes vannes. Moi, je veux rester ici. Non, je suis super content. Monsieur Raphaël Deandréis, je me rappelle de vous parce que je l'ai écrit sur ma main. Voilà, j'ai producteur l'émission sur le dos. Je vous jure, j'ai producteur. Il m'a dit, fais attention, c'est un fils de pub. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Ça. J'ai failli mettre un malaise. Fils de pub. Non. Calmez-vous. Le livre, je ne l'ai pas lu parce que je suis narcolecture. Si je lis, je tombe, je m'endors. Non, je vous jure, c'est une vraie maladie qui m'a frappé. Même pas le premier chapitre, même pas la préface. Tu sais, la première page où il y a la dédicace à ma fille, je dors là. Non, mais vraiment, j'ai une fille. Elle est née en 2019. Je vais vous parler de ma fille. C'est magnifique. Elle est jeune parce qu'elle est née en 2019. Ma fille, elle est tellement jeune que dans mon frigo, j'ai des yaourts plus vieux qu'elle. Non, je vous jure. Ma fille, elle est tellement jeune que j'ai essayé de faire comme vous. J'ai essayé d'anticiper le futur. Je me suis dit, elle est en 2019. En 2050, elle aura 30 ans, 31 ans. Elle va être stand-upeuse comme papa. C'est sûr, on est d'accord. Tu l'imaginais dans le futur à faire des stand-up comme ça chez Mouloud. Tu seras super vieux. Tu seras un peu comme Drucker. Tu sais, Drucker ou Michel Denisot. Je te vois en Denisot-Rebeu. Mouloud Denisot. Je l'imagine comme ça, elle débarque, elle fait... Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque de mon père, l'oxygène, il était gratuit. Celle-là écrit, elle était super bonne. Je l'ai écrit, je dis que j'étais reconnu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque de mon père, il chiait dans de l'eau potable. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque de mon père, il y avait des ours polaires vivants. D'ailleurs, je vous quitte parce que je vais aller sauver les ours polaires. Je suis désolé, merci beaucoup. Bravo. C'était Redouane Mbiraba, on vous retrouve en octobre prochain. Et il est à l'affiche de l'excellent La Vie Scolaire.